Les éoliennes, vous connaissez? Un mât gigantesque, blanc, comme pour mieux le confondre avec le ciel et les nuages, en arrière-plan. Une couronne d'énormes pales qui happe le vent, telle une faucheuse aérienne. Sa colossale tête motorisée cherche le vent, comme le ferait une girouette au sommet d'un clocher. Elle dévore le vent pour produire de l'électricité aléatoire et discontinue, qui nous coûterait, disent-ils, moins cher. Mais tout cela cache un lourd secret, des non-dits, selon que l'on soit honnête ou approximatif, par indulgence. Au terme de ce documentaire, vous ne les verrez plus du même œil, et vous serez comme beaucoup heureux d'en avoir le moins possible qui pollue vos horizons champêtres et votre terre. Vous découvrirez l'incroyable nocivité des matériaux utilisés et ce qu'ils deviennent quand leur vie touche à leur fin. Et vous allez voir que vous payez, sans savoir et sans avoir rien demandé, une taxe. Faisons brièvement un retour sur l'historique des éoliennes. En 1888, Charles Francis Brush construit une imposante éolienne. Il alimente ainsi sa maison en électricité, avec stockage par batterie d'accumulateur. La première éolienne industrielle génératrice d'électricité est mise au point par le Danois Poul Lacko en 1890 pour fabriquer de l'hydrogène par électrolyse. En 1923, le généticien britannique John Burdon Sanderson Aldern écrit en visionnaire sur le procédé d'hydrogénisation de l'eau. Si une éolienne dans le jardin pouvait produire 50 kg de charbon par jour, nos mines de charbon fermeraient dès demain. Personnellement, je pense que d'ici 400 ans, soit en 2423, le pays sera recouvert de rangées d'éoliennes de métal, entraînant des moteurs électriques qui, eux-mêmes, fourniront un courant à très haute tension à un grand réseau électrique. De grandes centrales judicieusement espacées utiliseront le surplus d'énergie des périodes venteuses pour effectuer la décomposition électrolytique de l'eau en oxygène et en hydrogène. Ces gaz seront liquéfiés et stockés dans de vastes réservoirs à double paroi, sous vide, probablement enterrés. Par temps calme, les gaz seraient recombinés dans des moteurs à explosion reliés à des dynamos pour récupérer de l'électricité ou plus probablement dans des piles à combustible. Cette vision généreuse ne fut qu'un rêve avorté. Une éolienne expérimentale de 800 kW fonctionnera de 1955 à 1963 en France, à Nogent-le-Roi, dans la Beauce. Elle avait été conçue par le Bureau d'études scientifiques et techniques de Lucien Romani et exploitée pour le compte d'EDF. Simultanément, deux éoliennes Nerpic de 130 à 1000 kW furent testées par EDF à Saint-Rémy-des-Landes, dans la Manche. Il y eut également une éolienne raccordée au secteur sur les hauteurs d'Alger, à Deli Ibrahim, en 1957. Cette technologie ayant été délaissée, il faudra attendre les années 1970 et le premier choc pétrolier pour que le Danemark reprenne les installations d'éoliennes. Voici comment est montée une éolienne. Mise sous terre des câbles haute tension. Création de la route, scarification et traitement à la chaux et au ciment. Nivelage et compression de la voie. Étalage de gravier et dépose d'enrobage. Mise en œuvre de la fondation pour le pilier. Montage de la cage en ferraille, renforçant la fondation de plus de 120 tonnes d'acier et 70 toupies de béton liquide, soit plus de 1400 m3 de béton. Ajustement et mise en place du mât. Entre 2 et 3 grues géantes sont nécessaires selon la hauteur du mât. Mise en place du groupe électrique qui accueillera les pales. Arrimage du nez. Et enfin, fixation des pales moulées en carbone ou en fibre de verre. Nous voici aux États-Unis. Ici, on recycle, dit-on, les pales de ces moulinettes géantes. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Gasper, dans le Wyoming, voici une vue satellite du cimetière des pales d'éoliennes. Il ne s'agit donc pas de recyclage, mais bien d'un enfouissement extrêmement polluant. Il faut savoir que les pales d'une éolienne peuvent être plus longues qu'une aile de Boeing 747, jusqu'à 30 mètres de long.
et il est tenté d'en produire aujourd'hui de 45 mètres. Elles ne peuvent pas être transportées telles quelles. Il faut impérativement les découper en trois parties suffisamment petites pour être bridées pour amarrage à un tracteur semi-remorque. La décharge municipale de Casper est l'un des trois hauts lieux de repos éternel des pales. Ce qui est scandaleux et le plus anti-écologique pour la planète, c'est que des dizaines de millions de pales démantelées dans le monde entier n'ont nulle part où aller. Dans des centaines de décharges, souvent tenues secrètes ou à l'abri des curieux, ce qui illustre très bien qu'aux États-Unis, environ 8000 pales, sans compter les mâts et les moteurs recyclables, seront enfouis au cours des 4 prochaines années. Selon une étude très poussée de Bloomberg Neff en Europe, qui traite le problème depuis une décennie, c'est près de 3900 pales par an qui seront déclassées, et ce jusqu'en 2025 au moins. La situation empirera exponentiellement. La plupart de ces machines ont été construites il y a plus de 10 ans. Mais imaginez ça, c'est moins d'un cinquième du parc éolien d'aujourd'hui. C'est un scandale en perspective. Aux États-Unis, ils en enfouissent tous les jours par centaines de tonnes dans les décharges qui les acceptent. À Lake Mills, Iowa, Sioux Falls, Dakota du Sud et Casper, où elles sont dissimulées et enterrées jusqu'à 10 mètres de profondeur, empilées les unes sur les autres comme des sardines. C'est un danger imminent pour les nappes phréatiques et l'empoisonnement des sols. En fin de compte, les pales d'éoliennes sont ici ad vitam aeternam, a déclaré Bob Cappadonna, chef de l'exploitation de l'unité nord-américaine de Veolia Environnement, ESA, basée à Paris. La plupart des décharges sont considérées comme des tombes sèches, dit-il. Une éolienne qui ne tourne pas ne produit rien. Les gouvernements crient à tue-tête qu'ils ne peuvent pas se passer d'électricité et que les nations en désirent toujours et encore. Cependant, comme la production électrique des éoliennes n'est pas stockée et ou stockable, ce sont des centrales nucléaires ou centrales à charbon qui tournent pour réguler la production. En Allemagne, les centrales au charbon produisent l'effet inverse visé au départ. Elles ont augmenté la production de rejets en CO2 dans l'atmosphère. Quel beau résultat! En France, une loi oblige EDF à racheter à l'exploitant des éoliennes le prix du kilowattheure deux fois plus cher qu'il ne vaut sur le marché. Ce surcoût vous est facturé sans remords, comme vous le voyez sur la facture. La taxe CSPE, c'est la taxe éolienne qui vous est imposée. Cela, peu de Français le savent, ou en ont simplement pris connaissance. Personne ne vous le dit, mais vous le payez cher. Entre la France et l'Angleterre, 6 fermes devaient être implantées pour tester des hydroliennes. Mais elle fut abandonnée car elle était à la fois inefficace et dangereuse pour la faune sous-marine ainsi que pour les pêcheurs qui pouvaient prendre leurs filets dans ces hydroliennes immergées. Partout dans le monde, des hommes politiques nous parlent d'économie, de logistique écologique. Ils pleurent et brament hypocritement sur le réchauffement climatique. Partout, ils engloutissent des milliards dans un système qui massacre les paysages et ne produira aucun emploi durable. La facture globale de ce piège à bobo sera finalement payée par le contribuable pour enrichir encore plus les sociétés privées qui se gavent sur notre dos. Vous connaissez maintenant la face cachée de ces pales de la discorde. À vous de creuser le sujet, de vous informer plus avant. Ne nous croyez pas sur parole. Faites vous-même votre enquête. Votre environnement est en grand danger. Les pales des éoliennes produisent des infrasons terribles. Et en plus, en période hivernale, elles produisent de la glace qu'elles projettent au loin. Ces jolis petits moulins que vous voyez à l'horizon ou le long des autoroutes, sur ces collines verdoyantes, sont en réalité des hachoirs à viande. C'est une horreur polluante pour votre santé et votre environnement. Aujourd'hui, l'Allemagne stoppe l'implantation des éoliennes. Avez-vous toujours envie que des éoliennes envahissent les paysages, intoxiquent des vies par les infrasons et les polluants chimiques, tels que les cols, par dizaines de tonnes, à base de résine époxy, qui vont empoisonner à vie les sols et les nappes phréatiques? Tourne, tourne, joli moulin, disait la comptine. Ici, ce ne sont pas les jolis moulins à vent de Daudet, ce sont les pales de la discorde.